Je suis donc avec Grégoire Lambert qui va combattre demain, de la Red Steam, qui va combattre demain donc contre Mokhtar Benkassi, juste après la pesée. Tu étais au poids ? J'étais à 70-100. Parfait. Donc quel est ton ressenti pour demain, ce combat que tu vas faire ? Moi, je me sens bien, je suis bien préparé. Et puis, Et donc tu as changé d'adversaire, est-ce que tu es plutôt content, plutôt déçu de ces changements, ou pour toi c'était égal en fait? Ouais, ça fait égal parce que je le connais pas trop, donc je vais voir sur la ligne. Je l'avais déjà vu combattre contre en fait il y avait un petit moitié, et j'ai vu qu'il était fort au sol, il m'a tout compris, quoi, donc je suis prêt à... D'accord, et donc bon, ce que j'ai vu de toi en tout cas, moi ce que j'avais remarqué, c'est que tu es très très fort en kick, malgré tes victoires par soumission. Demain, donc je pense que pour toi, tu vas faire valoir ces qualités-là. Et je voudrais savoir, plutôt pour ton avenir, puisque tu es trop rare, on te voit trop peu sur les rings de hatch, est-ce que tu envisages un passage au MMA complet, ou tu restes en pancrace qui te convient ? Ça me laisse l'opportunité de passer plus facilement du pancras au pied-point. Si je me lance dans le MMA, ce serait vraiment pour faire que ça. Rester dans le pancras. Ok, bah ça marche. Je te souhaite tout le meilleur du monde pour demain et merci à toi. Bah, merci de m'avoir raconté cette entrevue. Allez, et courage pour demain. Ouais.